enfants font sauter de joie au nom de Jésus. Comment provoque le miracle? Pour être dans la joie, ça dispose l'esprit. Le Saint-Esprit est une personne. La chose qui ne supporte pas, c'est la tristesse. C'est pourquoi on vous dit dans la parole de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si tu manifestes la tristesse, tu t'attends à quoi dans ta vie? Quel miracle tu veux que Dieu fasse? Amen. 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 Mettez vos mains. Tristesse, prenez vos mains. Je t'écrase au nom de Jésus. Je t'écrase. Vous croyez que c'est un bon sentiment? Satan a horreur de ce que vous faites. Les démons ont horreur de cela. Et il les souffre sur vous. Mais chassez ça. C'est spirituel. Amen. Donc toi, viens te voir. Toi qui es à côté de moi là. Mets ta main sur toi qui es à côté de moi. Je te mets en garde. Si jamais ta tristesse bloque ma bénédiction ce soir, on est là pour Dieu. Tu vas avoir beaucoup de clients. Tu vas acclamer le Seigneur. Ah. Amen. Amen. J'ai dit, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est béni, qui est triste. Maintenant, il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Donc, si je viens à la prière, c'est que j'espère quoi? Être béni, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, avant que ça vienne, il faut manifester l'attitude qu'il faut avoir. C'est pourquoi lui-même, votre Seigneur, il avait ça. Quand il partait prier pour Lazare, il a dit à Dieu, le Père, Père, je te dis merci. Il est en train déjà de célébrer la résurrection de Lazare. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es là pour célébrer ton témoignage. Tu es là pour célébrer le miracle de Dieu dans ta vie. Donc tout ce qui concourt à être un frère à ça, il faut prendre et puis tu jettes ça de côté. Amen. Amen. Pour pousser les cris de joie à la gloire de ton Seigneur. Tu vas changer.
puissance. Et c'est normal que cela se passe. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Voilà. Je vais prier pour la parole. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant. C'est à toi que nous rendons toute la gloire ce soir. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus t'écouter, entendre ta parole. Et que ce message que tu m'as transmis soit véritablement un challenge pour eux. Qu'ils saisissent le volet spirituel de ce message et qu'ils emportent les fruits, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te confie leur âme. Je te confie les cœurs. C'est pourquoi à l'instant, je prie que tout ce qui est charnel en eux disparaisse et que ne subsiste que ce qui est spirituel. Car tu as dit, tu es esprit et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit. Viens prendre le contrôle de nos âmes. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle de nos esprits. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, nous demandons à l'examen que ton esprit vienne nous disposer, que ton esprit vienne entrer en chacun de nous dans le nom puissant de Jésus, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. On dit amen, amen. Amen, amen, il faut acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Et pendant que tu acclames le Seigneur, il faut te lever, tu vas saluer cette personne, tu vas dire cette bénédiction sur la vie de cette personne, au nom de Jésus. Pour le faire, pendant ce temps, le groupe musical, vous nous accompagnez et il nous ramène au livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Alléluia. C'est bon, tout le monde là. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. On lit ensemble. Dans une grande maison, dans une grande maison, il y a la grâce à moi et l'argent. Mais il y en a aussi du bois et de terre. Et les uns sont des cartes dans l'un, et les autres sont d'un visage. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. 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 Paul s'adresse à Timothée, son fils spirituel. Écoutez très bien, c'est un enseignement très profond. Et c'est une révélation. Il dit à Timothée, dans une grande maison, il parle de la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas seulement que des vases d'or. Pourquoi il dit ça? Parce que quand vous prenez le livre d'Exode, Exode 23, au verset 26, il est écrit que dans le lieu très saint, il y a les vases d'or. Comme Paul dit à Timothée que dans le royaume de Dieu, parce que le lieu très saint, à partir du sacrifice à la croix de Christ, le voile est déchiré. Nous avons accès au lieu très saint. Il est dans le lieu très saint et d'argent. Mais il y a certains qui sont de bois et d'autres qui sont de terre. Et il fait une classification. Est appelé vase d'honneur. Où sont appelés vase d'honneur? Le vase fait d'or ou d'argent.
sont appelés vases vides, c'est-à-dire qui ne servent à rien, dont l'usage n'est destiné à aucune chose relative à Dieu. Il dit qu'il y a les vases de bois et de terre. Mais ce qui est grave et ce qui est terrible, c'est qu'il a dit dans la maison, dans une grande maison. Quand il veut dire dans le royaume de Dieu, Dieu permet qu'il y ait des chrétiens qui ont la qualité spirituelle d'être des vases d'honneur. Mais il y a aussi dans sa maison des chrétiens qui sont des vases vides. Amen. Être un vase vide, ça veut dire que tu es dans la maison de Dieu, mais tu ne sers à rien. Donc il est en train d'enseigner son fils spirituel parce qu'il tend vers la fin de sa vie et il lui donne les vérités. Des vases qui vont faire le cheminement de Timothée. Il dit, mon fils, dans le royaume de Dieu, il y a deux catégories de vases. Ceux qui sont utiles sont appelés vases d'honneur. Et dans l'utilité, il y a deux niveaux, ceux d'argent et d'or. Maintenant, ceux qui sont inutiles, il y a deux niveaux aussi. Ceux qui sont faits de terre et ceux qui sont faits de bois. Amen. 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 Donc voici les quatre types de chrétiens que Paul a donné à Timothée. Les quatre types de chrétiens. Je vais vous parler du vase d'honneur. Je vais vous parler du vase d'honneur. Vous allez comprendre à partir de ce soir, à partir de cet enseignement, pourquoi Dieu vous demande, quand vous êtes dans son dans l'œuvre, de soutenir. Pourquoi Dieu demande de donner ta dîme. Pourquoi Dieu dit, fais tes offrandes. Pourquoi Dieu dit, vis dans la sanctification. Pourquoi Dieu dit, obéis à sa parole. Toutes ces choses, cet enseignement va t'éclairer dessus. Va acclamer le Seigneur pour ça. Ouais, c'est une grâce pour nous tous. Même moi-même, ça va m'éduquer. Donc, retenons que, au verset 21, il dit, si donc quelqu'un, écoutez bien, maintenant il est en train de préciser, si donc quelqu'un se conserve pur, se conserver pur, c'est quoi? C'est la sanctification. Si donc quelqu'un se conserve pur, il est en train de donner les critères pour être un vase d'honneur. Amen. Amen. Pour être un vase d'honneur, il faut être pur. En s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses? C'est Galates 5:19. Toutes les œuvres de la chair, il faut t'abstenir de ça. Il sera alors un vase quoi? D'honneur. Sanctifié, c'est-à-dire saint, Saint-Esprit. Utile à quoi? Utile à quoi? À lui-même. À lui-même. À sa famille. À son mari. À ses enfants. C'est pourquoi tous les chrétiens peuvent être des vases d'honneur. C'est un vase d'honneur. Il est utile à son maître. Donc il faut comprendre que si je ne suis pas utile à mon Seigneur, je suis pas un vase d'honneur. Certains peuvent dire, mais ça fait quoi? Je peux ne pas être un vase d'honneur. C'est pas forcé. Bien sûr. Mais vous allez comprendre. Dis à ton voisin, je prie que tu sois un vase d'honneur. Donc, on retient que quoi? Un vase d'honneur, c'est quoi? C'est le chrétien qui est quoi? Qui est pur, qui est sanctifié et qui est quoi? Qui est utile au Seigneur. Qui est utile au royaume de Dieu. Qui est utile au corps du Christ, qui est utile à sa communauté, qui est utile à l'église, qui est utile à la mission, qui est utile à l'œuvre de Dieu. C'est ça, un vase d'honneur. Amen. 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 En Genèse 1, verset 28,
Dieu a créé l'homme et la femme. Ça veut dire créer n'est pas former. Former, c'est mettre dans le physique. On dit il forma Adam de la poussière et il forma la femme à partir de la côte. C'est pas la formation, création. Ça veut dire l'être spirituel, l'esprit de la femme et l'homme. Dieu étant esprit s'adressa à l'esprit de la femme Ève et à l'esprit de l'homme Adam. Et regardez ce qu'il va leur dire, ce qui est très évocateur, qui va nous orienter vers quelque chose qui est fondamental pour Dieu. Genèse 1, verset 28, il est écrit, Dieu les bénit là. Donc verset 27, on comprend mieux. On dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Amen. Et une fois qu'il les a créés, au verset 28, il dit, il est béni en leur disant. On lit ensemble. Il dit quoi? C'est tout. Arrêtez-vous. Il dit, soyez, comment? Fécond. Après, il a dit, multiplicité, diversité, dominé. Mais il a commencé par la fécondité. Bien qu'on voit la fécondité. Amen. Amen. Écoutez bien. Dieu crée l'homme et la femme. Ce n'est pas un génie qui a créé l'homme et la femme. Dieu crée le prototype de l'homme. Il crée le prototype de la femme. Et la première bénédiction qu'il prononce sur la vie, ce n'est pas soyez riche. Soyez. Il n'a pas dit soyez saint, mais il dit soyez fécond. Donc si on connaît Dieu comme étant le Dieu omniscient, celui qui a conscience de tout, c'est que s'il met la fécondité comme premier critère, c'est que dans le monde spirituel, c'est la valeur qu'il attend de nous. Et c'est cette valeur qui va déterminer la bénédiction de Dieu sur notre vie. Il n'a pas dit multiplier. Et les gens font la confusion entre la fécondité et la multiplication. Parce que c'est très différent. Lorsque je parle de fécondité, vous faites tous allusion au fait que c'est la capacité d'une personne à pouvoir faire des enfants. Oui ou non? Donc pour vous, comme pour la majeure partie de ceux qui lisent ce verset-là, ils ont l'impression que quand Dieu a dit « Soyez féconds », ça veut dire que Adam et Ève doivent faire des enfants. Amen. Amen. Et après, il dit « Multiplier ». Si la fécondité est un symbole de faire des enfants, il n'aurait pas dit que dans ma maison ne trouvera ni homme ni femme stérile. Parce que en réalité, la fécondité pour Dieu n'est pas synonyme de faire des enfants. La fécondité pour Dieu, c'est la capacité à pouvoir être utile à son œuvre. Dieu te considère comme étant stérile lorsque tu es inutile dans son royaume. Dieu te considère comme étant stérile lorsque tu n'apportes rien à l'avancement de son œuvre. Dieu te considère comme étant stérile lorsque ta vie n'impacte pas ton entourage, ton environnement. Ta vie reste une vie sans saveur. C'est pourquoi il vous a parlé en disant que vous êtes sel. Dites ton voisin, vous êtes sel. Je n'ai pas encore commencé, parce que je sais que tout ça. Vous êtes sel de la terre. Il dit à Adam et Ève, soyez fécond. Ça veut dire que vous êtes créés, je vais vous amener sur la terre.
Mais il faut que votre venue sur terre, le jardin d'Éden qui représentait le royaume de Dieu, il faut que votre présence dans mon royaume soit utile à mon œuvre. Il ne faut pas que votre présence dans mon royaume, qui symbolise mon jardin, ne soit que pour assouvir vos propres passions, vos propres intérêts. Mais l'intérêt qui doit prévaloir est celui de l'intérêt du Dieu créateur. C'est à ce moment qu'il dira de toi que tu es utile. Donc il est en train de démontrer à Adam et Ève dans les cieux qu'il les ferait bénir sur terre pour être des vases d'honneur. Donc, si nous sommes descendants d'Adam, ça signifie que Dieu t'a créé, Dieu t'a mis dans le sein de ta mère, Dieu t'a formé, Dieu t'a préservé jusqu'à cette maturité que tu as pour un seul but, que tu sois un vase d'honneur, que tu sois utile à son œuvre, que tu sois utile à son œuvre, que tu sois utile à son ministère, que tu sois utile à ta famille, que tu sois utile dans ton travail, que tu sois utile dans tes affaires, au point que lorsque tu n'es pas là, on sent ton absence. Lorsque tu poses une action, ça impacte tout ton environnement. Que cela soit ainsi pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, le projet de Dieu, sa volonté parfaite pour nous, c'est de faire de nous des vases d'honneur. C'est pourquoi il a dit, il y a des vases de quoi? De bois. Oh, révélation du Saint-Esprit. Il y a des vases de bois. Ensuite, il y a des vases de pierre. Après, il y a des vases d'argent. Et ensuite, il y a des vases d'or. Le vase de bois, c'est le chrétien qui n'est pas encore allé à la croix. Parce que la Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc le bois, c'est la malédiction. Donc le vase de bois, c'est le chrétien maudit, celui qui porte en lui encore le péché dans son sein. Tu es sauvé. Mais il y a encore les choses de l'esprit maléfiques en toi. Colère, haine, peur, ivrognerie, impudicité. Tu as la quatrième, la dernière, le dernier niveau. C'est le vase de bois. Il n'est pas utile. Il manifeste les œuvres de la chair à longueur de journée. Il vicie son égo. Il est orgueilleux. Il est méchant. Il est impatient. Il est égocentrique. Il amène tout à lui. Il manifeste Galates 5:19 par excellence. Dieu dit, tu fais partie d'un vase de bois. Un vase de bois, on met l'eau dedans. Après 4 mois, c'est fini. Le vase est pourri. Amen. Amen. Donc le vase de bois, il n'est pas encore passé à la croix, il n'est pas mort. C'est lui qui discute tout ce qu'on dit. Parce que c'est le vase de bois. Il n'est pas encore mort. Il est sauvé. Voici la conversion de Jésus. Il est sauvé. Mais il n'est pas encore prisé. Il n'est pas encore passé à Gethsemane. Il dit un homme partit une vie, l'entourage d'une haine, mis tout et vit un pressoir. C'est l'homme en Dieu, il a toujours le pressoir. L'endroit où tu dois aller mourir. Gethsemane. Amen. Ensuite, il dit il y a le vase de terre. La deuxième catégorie dans les vases vides, ce sont les vases de terre. La matière que le Seigneur utilise pour symboliser ces vases, c'est l'argile. Amen. L'argile a un défaut. Qui connaît le défaut de l'argile? Qui connaît? Je vous dis,
dit, c'est l'esprit qui est en train de m'enseigner. Je vous ai même dit que il m'a dit la fécondité en plus tête, je me ramène sur les cartes. L'argile a un défaut. C'est lequel? Lorsqu'on prend de l'argile, on met l'eau dans l'argile, c'est pas ça? Et quand on met l'eau là, l'argile devient comment? Malléable. On peut tout faire avec toutes les formes qu'on veut. Alléluia. Mais lorsque on met au feu ou on met au soleil et qu'elle a pris une forme donnée, quand on essaie de changer sa forme, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ah. Voilà les deuxièmes chrétiens qui ne sont pas utiles. Au début, ils sont soumis. Dans leur conversion, ils sont obéissants à la parole de Dieu. Jusqu'à un moment, l'eau qui les rendait, qui symbolise la parole de Dieu en eux, va commencer à disparaître. Ça veut dire qu'ils vont s'éloigner de la parole. Ils vont tellement côtoyer l'œuvre, les ministères, que ils vont commencer à s'éloigner de la vérité qui apparaît. C'est l'eau qui se retire. Il va rester que la terre. Et quand on voudra changer, amener le changement dans la vie de cette âme, il va avoir une fracture. Il va avoir une rupture dans ce vase. Et chaque fois qu'on mettra de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui est la parole. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent la parole, lorsqu'ils faisaient la parabole elles reçoivent la parole, qui est la graine. Une fois qu'elles la reçoivent, les oiseaux viennent et voilà. Je prophétise sur vos vies que vous ne soyez pas des vases de terre. Faites attention. Tout message donné par le Saint-Esprit est accompagné d'un cas pratique. Dieu est en train de t'interpeller au travers de cet enseignement sur ta véritable position en Christ. On n'est plus à se comparer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parle des chrétiens. En chrétien, il y a différentes catégories. En chrétien, il y a différentes catégories. Est-ce que je peux vous dire, les deux catégories que j'ai citées, le vase de bois et le vase de terre, ils ont un lien commun, c'est qu'ils ne tuent pas, ils ne sont pas résistants. Le bois, vous le prenez, vous le tapez au sol, il va se fracturer. Le vase d'argile, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a une épreuve, ils ne peuvent résister. Mais d'où vient leur fragilité? Ce n'est pas dans leur nature. Mais leur fragilité vient du fait qu'ils ne sont pas utiles à l'œuvre de leur Seigneur. Donc notre solidité, notre résistance aux œuvres de l'ennemi dépend de notre capacité à faire l'œuvre, à se donner corps, âme et esprit pour notre Seigneur. Quand je ne suis pas utile, je n'ai aucun intérêt pour Dieu. Quand je souffre, que mon foyer soit brisé, que je sois gravement malade, que ma situation soit la plus misérable possible, Dieu n'est pas concerné. Tu as un vase vide pour lui, sans but, sans objectif. Les pharisiens ont pris le Seigneur, ils lui ont dit, mais Seigneur, voici cet homme sourd. Dans le livre de Matthieu, il dit ce miracle-là vous sera refusé. Dans le temps d'Élie, à Sarepta, il y avait une veuve. Mais à cette époque, dans cette famille, il y avait plusieurs veuves. Mais l'Éternel Dieu a envoyé son soin vers une seule. Pourquoi? Parce que cette veuve était utile à son œuvre. Cette veuve était un vase d'honneur.
Les autres choses étaient des phases vides. Dieu, écoutez, si vous ne comprenez pas cette vérité, vous aurez l'impression que vos prières ne montent pas. Vos prières ne sont pas efficaces. Ces veuves avaient des enfants. Ces veuves avaient aussi la faim, comme la veuve de Sarepta. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers elle. Élie s'est poli de la grâce. Il n'a pas envoyé Élie vers elle. Comme je suppose que beaucoup parmi ces veuves sont mortes. Comme beaucoup de chrétiens meurent. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas utiles à Dieu. Ils ne sont pas des vases utiles. Et quand je venais, le Saint-Esprit me dit, mais quel est le rôle des vases? Le rôle du vase, c'est de faire quoi? Il reçoit un liquide et ensuite il redonne. Donc il me dit, il faut qu'il comprenne que j'ai substitué le chrétien au vase parce que le chrétien ne vit pas pour lui-même. Il reçoit de moi et il donne cela à la communauté, il donne cela à sa famille, il donne cela à ses parents, il donne cela à ses frères, à tous ceux qui sont dans son environnement, de manière à ce qu'il soit un être fécond. Est-ce que le vase boit? Il reçoit le jus, soit le verre, et puis donne à ceux qui en ont besoin. Et lui-même ne profite pas. Sa bénédiction vient du fait qu'il sert son Dieu. Sa bénédiction vient du fait qu'il honore le Dieu qu'il a créé. Ainsi donc, Dieu va l'établir sur des nations. Pas ça, vous allez minimiser l'œuvre de Dieu, vous allez minimiser le potentiel, le pouvoir que Dieu a mis dans son œuvre. C'est là qu'il fait la distinction entre les vases d'honneur et les vases vides. J'attends que je me marie, j'attends que Lisa sorte, j'attends de voyager. Dieu dit d'accord. Si tu es la seule personne sur la terre qui a fait un visa, on va faire descendre les anges, ils vont te faire partir. Il y en a des milliards de personnes qui prient pour cela. Les anges, pas. Pourquoi? Parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Il dit, mes prévus me connaissent. Elles entendent ma voix. Es-tu utile à l'œuvre de ton Père? Es-tu utile à l'œuvre de ton Seigneur? Aujourd'hui, c'est là la question. Être utile, c'est être fécond. Amen. Ne pas être utile, c'est être stérile. C'est pourquoi vous voyez, les pasteurs aiment beaucoup réciter ça quand ils veulent prier pour les femmes qui n'entendent pas. Alors qu'ils n'ont pas compris. C'est le premier. Il y a un premier degré de la stérilité. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui vous amène au deuxième degré selon lui. Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. Maintenant la question que je vous pose, il y a combien de femmes chrétiennes qui ne sont pas stériles? C'est la parole dit, dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. Maintenant, comment se fait-il que... Parce que si on vit dans le monde, on va dire non, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Dans la maison, ce sont les chrétiens, oui ou non. Ceux qui ont confessé Jésus, oui ou non. Mais là, dans ces femmes qui ont confessé Jésus, et ces hommes qui ont confessé Jésus, est-ce qu'il y a, on ne trouve pas de personnes qui ne sont pas stériles? En tout le monde, on ne trouve pas. Parlons, on parle parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on trouve des personnes stériles parmi les chrétiens? Est-ce qu'on trouve des femmes stériles parmi les chrétiens? Est-ce qu'on trouve des hommes stériles parmi les chrétiens? Donc pourquoi Dieu va dire dans ma maison, on ne trouvera point de femmes stériles? Donc Dieu dit quoi? Dans sa maison, on ne doit pas être un vase inutile. D'où la stérilité? Parce que tu n'es pas productif. Pourquoi tu es stérile? Je vais vous expliquer. Pourquoi il fait allusion
à la sérénité, pas que l'improductivité dans notre vie. Dieu veille en sorte que tu travailles, parce que c'est lui qui fait. Et ce travail, tu l'as. Et voilà qu'il te donne, il permet que tu aies un salaire. Et ce salaire, tu l'utilises à tes propres fins et tu l'utilises pour tes propres plaisirs. À ce moment, tu es frappé de la malédiction de la stérilité. Ça veut dire que Dieu te dit, mon fils, pour moi, dans ma maison, tu es inutile. Donc tu es stérile. Parce que tu n'es pas productif. Parce que par toi, tes collègues doivent être gagnés. À ce moment, tu deviens fécond. Est-ce qu'on se comprend? Par toi, dans ton travail, tu dois faire en sorte que ce pourquoi tu es ici, l'œuvre que tu es en train de faire, puisse impacter ses collègues, puisse impacter tes frères, puisse impacter tes parents. Ainsi donc, Dieu va te déclarer que tu es utile à son œuvre. Donc, tu es une vigne féconde. Donc, bannissons de nos consciences, de nos esprits, pour cet enseignement, la notion de stérilité liée à l'incapacité à pouvoir faire des enfants. Loin de là. Je suis stérile lorsque, ayant reçu un enseignement sur la sanctification, alors que mes soeurs, mes amis, mes camarades vivent dans la dépense, j'ai pas le courage de leur dire la vérité. J'ai pas le courage de leur dire, ma soeur, ta vie que tu mènes n'est pas bonne. Change, parce que ton âme sera perdue. Je suis là dans une heure où on dit la vérité, où le Saint-Esprit parle. Je te prie, viens, de sorte à ce que toi aussi tu puisses recevoir à ce moment-là. Si tu ne le fais pas, tu es stérile. Donc la question est de vous poser ce soir. Depuis que je suis chrétien, qu'ai-je fait pour mon Seigneur? Qu'ai-je fait avec ma bouche? Qu'ai-je fait avec les moyens qu'il m'a donné? Qu'ai-je fait avec la santé qu'il m'a donné, la jeunesse, parce que ce n'est pas à 70 ans que tu vas commencer à chercher à évangéliser. Chaque jour, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, jusqu'à ce qu'il se couche. Qu'est-ce que fait pour mon Dieu? C'est ce que vous pouvez voyer à l'autre. Parce qu'ils connaissent le spirituel. Il dit que chaque Ivoirien se demande quoi? Est-ce que vous voyez? Lui, il a ramené ça à la nation. Ma réalité, il faut ramener ça à Dieu. Est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour mon pays qui est le royaume de Dieu? Est-ce que grâce à moi, les pauvres de l'église arrivent à avoir un peu? Il dit bon, il faut que tous mes enfants soient utiles, soient féconds. Donc je mets en place ce que j'appelle mes ordonnances et mes préceptes. Paye la dîme, fais cela. Mais quand tu payes la dîme, ton argent, c'est utile ou c'est pas utile? Donc Dieu t'oblige sans le savoir à être un pasteur. C'est pourquoi ceux qui payent la dîme sont bénis. Mais aujourd'hui, il veut laisser à faire des dîmes et puis te faire comprendre son plan caché en dessous de la dîme. Pourquoi on donne la dîme de bénis? Parce que ton argent est utile. Donc si ton argent est utile, tu es un pasteur. Et donc la bénédiction descend. Dieu t'a donné des potentiels. Dieu t'a donné un savoir-faire. Dieu t'a donné une connaissance. Mais est-ce que tu l'utilises pour l'avancement de ce royaume?